Olivier Levasseur, Yann Le Boeck à la pension Cloanec, Henri Rivière, les estampes, le catalogue raisonné. Si vous voulez bien présenter, messieurs. Donc voilà, nous avons sorti cet ouvrage au printemps 2022 et nous avons réuni environ 280 lithographies qui devraient être le catalogue raisonné, donc complet, de l'ensemble des lithographies réalisées par Henri Rivière entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, sur une période d'à peu près une quinzaine d'années. Alors c'est un ouvrage qui nous a permis de redécouvrir également un certain nombre d'œuvres qui étaient jusqu'alors inconnues et que nous avons pu présenter grâce à la générosité notamment des descendants de la famille d'Eugène Vernon. Oui, donc c'est un catalogue raisonné qui permet d'appréhender l'ensemble de la création lithographique d'Henri Rivière, qui n'est pas le seul aspect de son œuvre, mais qui est un aspect important, puisque ça lui a pris à peu près une dizaine d'années de sa vie, entre 1896-17 et 1915-16, enfin, la dernière est parue en 1917. Et c'est aussi l'aspect le plus connu, le plus grand public de son œuvre, puisque ça a été édité à assez grand nombre d'exemplaires. Et ce catalogue permet de préciser pas mal d'aspects de la réalisation et d'édition de ces lithographies. Voilà, et il faut bien souligner que le travail de lithographie de Rivière se fait en collaboration étroite avec son imprimeur, éditeur, Eugène Vernon, qui a mis à sa disposition tous les moyens techniques et humains pour pouvoir faire un travail d'une extrême qualité. Et que dire de plus sur les lithographies, sinon qu'elles sont divisées en six séries. Donc il y a l'aspect paysage parisien, puisque René Rivière était d'abord un parisien, et cinq autres séries qui représentent essentiellement la Bretagne, avec une série de Beau Pays de Bretagne qui va se rapprocher le plus de son premier travail, qui est son travail sur les bois gravés. Voilà, et donc les sites représentés sont majoritairement donc autour de sa maison de Loguilly, à proximité de Paimpol, autour de la presqu'île de Crozon et de la baie de l'Ornonay. C'est quasiment les 9 dixièmes de son travail lithographique représentent des lieux de ces régions, si on excepte le côté parisien. Ce qui correspond aussi à, assez logiquement, puisqu'il a fait construire sa maison à Loguilly de la Mer en 1895, ça correspond à peu près au moment où il commençait la lithographie. Et la fin, le moment où il quitte sa maison correspond aussi à peu près au moment où il va arrêter la lithographie, puisqu'il va quitter sa maison en 1914. Donc ça correspond vraiment à un moment de sa vie assez précis. Alors vous avez un projet de faire un autre catalogue raisonné, je crois. Alors le second volume sera consacré là au bois gravé, dans les rivières, et qui sont par définition beaucoup plus rares, même si on les connaît très souvent, parce qu'ils ont été très souvent reproduits. Oui. Mais c'est un travail qui devrait apparaître l'année prochaine. D'accord, toujours aux éditions Locus Solus. Alors, Henri Rivière estampe la lithographie pour le moment, et l'année prochaine, dans un prochain temps, les bois gravés. Merci, messieurs. De rien, merci à vous.